La plus prestigieuse des compétitions de clubs est de retour. Comme chaque année, à l'approche du mois de mai, les meilleures équipes de France s'apprêtent à en découdre. Objectif, remporter cette fameuse Coupe Gounouillou qui les fait tant rêver. Et pour cette 88e édition, c'est le golf de Terre-Blanche qui a l'honneur de recevoir la compétition, une grande première pour le resort varois. Pour Terre-Blanche, c'est un honneur que nous fait la Fédération en nous confiant l'organisation de cette compétition, bien sûr en collaboration avec les équipes de la Fédération française de golf. Accueillir les meilleurs joueurs français, les meilleures équipes, les clubs les plus prestigieux, c'est vraiment formidable. C'est la compétition, c'est la plus belle compétition amateur. Par équipe, évidemment, c'est un autre esprit. Donc c'est vraiment, c'est un peu l'esprit Ryder Cup si on veut comparer à un niveau différent. Mais c'est vraiment formidable de revoir des clubs, de revoir des jeunes qui sont associés aussi à des plus anciens, avec un véritable esprit de compétition, un véritable esprit de club. C'est la seule compétition de ce niveau-là dans l'année qui a ses caractères. Donc c'est vraiment extraordinaire de pouvoir l'accueillir ici. Si le golf de Terre-Blanche dispose de deux tracés, c'est le parcours du château qui a été choisi pour accueillir cette Gounouillou, un long par 72 de 6600 mètres qui promet du spectacle. C'est un parcours qui va, je pense, favoriser les bons drivers et les bons putters. Voilà. Bon, après, il faut bien jouer tout court, mais c'est vrai que celui qui drive long va avoir quand même en match play pas mal d'avantages, puisqu'il aura sur les par 4 des coups un peu plus accessibles. Parcours de championnat, clairement. Hier, des conditions différentes avec aujourd'hui. Un peu plus frais et moins de vent. Aujourd'hui, y a plus de vent qui va se lever apparemment au cours de la journée. Donc voilà, il va falloir s'adapter un petit peu au parcours, mais un très très beau parcours, en tout cas très agréable. Pour l'occasion, le parcours a été particulièrement soigné par les équipes de Simon Valmy. Le surintendant du golf de Terre-Blanche a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les meilleures équipes de France. Elle a été bichonnée depuis 3 semaines qu'on travaille dessus. Donc on a préparé les fairways, les départs, ainsi que les greens, nous avons travaillé. Ils sont fermes, rapides, donc il faut créer du jeu. Il faut créer des sensations et puis il faut que tout le monde trouve leur bonheur aussi. Donc on est habitué à c'est pas la première compétition, mais c'est vrai que la Gounouillou, c'est une grande première pour moi aussi parce que je ne connaissais pas. Donc aussi, c'est aussi donner beaucoup de plaisir aux jeunes pour qu'ils puissent avoir du plaisir à jouer chez nous. Parcours magnifique, endroit exceptionnel. L'état du terrain est vraiment impeccable. Parcours très difficile, très long. Il y a des greens très roulants, donc c'est un vrai régal. Je dirais que le parcours ici, la main corner, c'est plutôt sur les premiers trous. Donc les joueurs vont devoir batailler sur les premiers trous. Parce que le trou numéro 2, 3, 4, 5, 6 sont des trous vraiment très, très compliqués, très difficiles. Et une fois qu'on a passé, notamment sur les qualifications au match play, une fois qu'on a passé ces trous-là, on ne peut pas respirer, mais on a déjà une carte, peut-être une bonne carte. Alors il y a le début de parcours qui est très compliqué, avec la mise en jeu du 3 et du 4 qui sont très étroites sur des trous très longs. Et après, la fin de parcours est très délicate aussi, 10 à 18, c'est vraiment chaud, donc pas évident. Le 3, ouais. Alors on va le découvrir apparemment aujourd'hui, le 3, parce que déjà hier, il faisait 430 mètres. Partant pas du fond, apparemment il fait 20 à 25 mètres de plus aujourd'hui, donc je pense que la mise en jeu, ouais, elle va être pas simple, surtout avec le vent là aujourd'hui. Il peut y avoir des scores bas parce que les greens sont bons et assez réceptifs, donc les bons coups sont récompensés. Après, il faut pas sortir la balle parce que, comme on peut le voir sur les côtés, là, on peut vite perdre sa balle aussi sur les mises en jeu. Il faut être prudent et puis comme je dis, il faut accepter un mauvais départ, il faut accepter peut-être un deuxième coup un peu moins bon, un 3 putt qui peut arriver. Si on fait bogey sur le trou, c'est pas très grave. Il y en aura, donc il faut être patient. Étroit et vallonné, le château sera quoi qu'il arrive un sacré défi pour les 16 équipes, un challenge qui débute ce samedi dès 8h.